Non, c'est Drake Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, tout bonnement, avant de commencer, je voudrais m'excuser pour hier. Normalement, je devais faire un live. Et vu que, comme dirait l'autre, j'étais superment fatigué, vu que j'avais des choses à faire dans la journée, et je me suis couché de bonne heure. Et puis, c'est vrai que j'étais sur un film au début sur Netflix. Et c'est vrai que j'ai pas vu le temps passer, donc je me suis couché de bonne heure. Et donc voilà, il n'y a pas eu de live. Donc à la place du live, vous aurez aujourd'hui le droit à du Skyrim pour le bonheur de toutes les personnes. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la nouvelle map de Skyrim. Celle que j'ai que j'ai mis en mode, donc voilà, on va faire un petit tour. On va déjà commencer par commencer à aller voir la mission principale, et puis après on ira faire un peu la visite du premier continent, parce qu'il faut faire petit à petit, ou sinon vous pouvez pas aller dans chaque zone. Donc c'est parti, donc on va aller parler à notre jarl de cette zone. Donc la vidéo fera entre 15 et 20 minutes, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche de notification et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Alors je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente ou dans le live précédent, ce mode là bug, donc je risque de vous faire des coupures au montage ou de faire des ellipses au montage sans rien dire, parce que voilà, soit la console a décidé de me remettre au menu principal ou quoi que ce soit. Nous avons trouvé Ah oui, merde, je vous ai pas mis le son. Alors bien sûr, vu que c'est en anglais, pour ceux qui arrivent à comprendre en anglais, voilà. Moi je ne comprends pas l'anglais, donc je suis le point, et puis c'est tout. Après bon, on devine un peu de quoi il parle. Surtout que vu qu'on a sauvé quelqu'un, je pense que voilà. Donc voilà. Et pour savoir, pour ceux qui seraient intéressés, vendredi je serai en live sur du Skyrim et je serai en live jusqu'à 1h du matin, pas minuit, parce que vu que j'ai pas live hier, pour me rattraper, je vais faire un live jusqu'à 1h du matin. Donc il y aura du Skyrim, du The Crew et on retournera sur Assassin's Creed Odyssey sur la fin pour vous montrer les trois maps de rajout, donc l'Eden que je vous ai déjà montré, les enfers que je vous ai déjà montré et le petit côté, vous le verrez à la vidéo. C'est tout, vous le verrez en live si vous êtes là. C'est tout. J'ai le nom sur la langue, si ça me revient, je vous le dirai, mais là pour le moment, apparemment, j'ai perdu le nom. Alors pourquoi ? Ah, je sais pourquoi ça lag. C'est la pluie. Alors, où il veut qu'on s'en... Ah, attendez, on va faire une... On va avancer, parce que là, avec la pluie, sinon ça va pas être très... Fait nuit. Oh loup, super. Bon, on va faire passer le jour, quoi. Ah, c'est pas possible, chiot. J'espère que vous passez une bonne semaine, que vous passez une bonne rentrée pour ceux qui ont repris les cours, qui sont en cours, on va dire. Puis pour ceux qui ne sont pas en cours. D'accord, c'est là-bas. Autant que j'aille à la grotte. On va faire quand même 2-3 petites choses. On va quand même visiter un peu la zone.
Donc il y a une grotte là-bas. On va aller à la grotte. Donc on est rempli de montagnes. Et la grotte a l'air d'être de l'autre côté. Donc ça sert à rien. Et voilà, je suis fatigué. Donc on va faire le tour. Ça a l'air d'être assez. Ça a l'air d'avoir du mal quand même à être fluide. Autant rencontrer des zones, hein. Alors là, on a une zone à bestioles qui nous emmerde en temps normal. Alors attendez, je vais voir un truc parce que à la vidéo précédente, comme vous le savez, j'avais plus rien en. Vous possédez tant d'objets que j'aimerais négocier avec vous et si. Des draps. Oh. Donc, voyons voir. J'avais été dans le lit d'hiver. Qu'est-ce que j'en ai foutu, les machins? J'aime tellement traiter avec les mortels. Je ne sais pas comment. Qu'est-ce que j'en ai fait des trucs? Au-dessus. Celui-là, surtout, qui fait mal, la dessin de mer. Ok, alors je fais plus de dégâts, bizarrement. Alors est-ce que j'aurais posé les machins sans le vouloir? Il y en a un autre normalement. À part si Serena s'en est occupée. Bon, faut dire que je suis déjà pété de thunes, donc c'est pas trop. Il y a des crânes, ok. Bon, bah on va faire le plein des choses à vendre, quoi. Mais c'est bizarre quand même que j'ai plus rien, quoi. Parce que faudrait que je regarde dans la vidéo, dans l'avant-dernière vidéo, parce que je sais que dans la vidéo précédente, j'avais déjà eu ce problème-là, mais... Alors, est-ce qu'on peut passer? On peut pas passer. Par contre, il y a une bourse. Pourquoi on peut pas passer? Bon, bah, c'est pas grave. Alors, direction... On va passer par la grotte en même temps. Donc bon, bah les zones sont à peu près identiques, sauf que y a pas de dragon, je crois. Vous pouvez pas appeler, par exemple, Durnevir, ou par exemple Durnevir, je peux pas l'appeler. Alors je vais vous faire l'exemple. Ah, je l'ai pas là. On va casser sur Durnevir.
On entend son bruit, sauf que voilà, il apparaît pas. C'est un peu bizarre, mais voilà, c'est tout ce qui est dragon, par exemple, même Durnevir, qui c'est d'autre? Votre allié draconique. Votre allié draconique qui vient en temps normal, voilà, vous aider. Voilà, il y a pas mal de petites choses qui font que vous ne pouvez pas appeler vos amis ou quoi que ce soit. Vous pouvez toujours appeler les alliés de l'enfant du dragon, mais c'est tout quoi. Je pense tout ce qui est dragon et puis tout ça. Il y a des mots de puissance dans la zone, mais pas trop, je crois, si je me trompe pas. Après, tout est en anglais, comme vous le savez. Les zones sont à peu près identiques. Il n'y a pas de Falmer, je crois. Il n'y a pas de Dwemer. Ah si, il y a peut-être des Dwemer, parce que vu que c'est une zone... voilà. Mais les zones sont plutôt pas mal, je trouve. Moi, je trouve qu'elles sont plutôt grandes. C'est que des mandarins. Comme je les appelle, les mandarins. Les mandarines. Ce sont tous des mandarines. Alors, orki. Par contre, ils sont puissants, ils sont robustes. Et ça, c'est plutôt pas mal quand vous êtes bien avancé. Quand vous êtes bien avancé, ce qui peut être cool, c'est que vous pouvez, par exemple, venir dans cette zone et, par exemple, ben, vous entraîner, faire des choses un peu à droite à gauche. Vu qu'en plus de ça, ils respawnent. Alors, je sais pas combien de fois ils respawnent, mais je sais qu'ils respawnent au bout d'un certain temps. C'est pas comme de l'autre côté. Mandarin, mandarin, mandarin. Il y a que des mandarines. Qui c'est là? Et pourquoi moi? Bonne nuit. Et toi, l'éclair là, oh. C'est vrai que j'ai de la résistance au niveau de la magie parce que clairement, avec l'armure draconique, j'ai rajouté un peu de trucs. Résistance à la magie, je crois. Donc on a un peu plus de résistance, ça c'est plutôt cool. Par contre, attendez, parce qu'elle fait 4... Attends. C'est quoi ça? Ah, elle fait 4... Ah, valeur 400. Ok. Mais ils prennent jamais les... Si, le marché noir, mais... Oh, bah putain, je suis fatigué, moi. Alors, tu remontes là, ton énergie, garçon. Il me manque juste les gants draconiques, c'est chiant. Et à chaque fois que je l'appelle, mon marché noir, à chaque fois, je l'ai pas. C'est chiant, c'est casse-couille. Hop, j'espère que le son n'est pas trop fort de votre côté. J'ai mis un peu plus fort mon micro. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal, tiens. Oh. Hop, dans la popoche. Ouais, bah alors dans la popoche, et hop. Le gars, il est pas assez riche, tu sais. Il en demande, il en demande, il en demande. Ah, c'est... C'est sculpturile, quoi. C'est sacrée sculpture, quoi. Ah, mais oui, je connais cette zone. Normalement, on va venir à un moment donné pour...
pour une mission. Normalement, vous voulez pas vous battre, vous faites ça. Et normalement, voilà, il est mort. Bon, quand vous avez tiré votre cartouche, vous avez... Dites donc, les gars, faut arrêter avec vos arcs de pédale, là. Serena qui est au-dessus, qui est en train de nous envoyer... Wouhou ! Je crois pas qu'il y ait de mot de puissance dans cette zone. Ils me font bien rire avec leur petit poignard de fortune là. Après, il y en a, ils font mal. Il y en a, je dis pas le contraire. Il y en a, quand ils te mettent un coup de coup de tétagne là sur la tronche, ils font mal. Alors, il y en a, ils font des châteaux. Yeah. Ouais, moi, je prends tout, hein. Attendez, parce que normalement, il est où le grand patron? Le grand patron est avec son sbire de merde. Pourquoi de merde? Bah, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, pourquoi. Et je perds le contrôle de ma manette. Ah, mais il est chiant! Sbire de merde! Casse-couille de la vie, quoi! Il y en a un autre qui est au-dessus. Voilà. Il n'en a pas besoin de ça. On a le droit à un établi là. On a un guignol au-dessus. Alors à quoi ça sert déjà ça? C'est bon, Serena? T'en as fini? J'ai cru que j'allais prendre pied. Le gars qui a cru qu'il allait me tuer, quoi. Pas sérieux le bandit, hein. Alors, je sais pas où j'ai ouvert, mais j'ai ouvert quelque part. Et à chaque fois, je ne sais jamais où c'est. Donc, comme vous le voyez, il y a... Je pense pas qu'il y ait une botte puissante, je me rappelle vraiment pas. Mais... les zones sont bien faites. Après, il y a certaines zones qui me disent quelque chose parce que vu que j'ai déjà joué dans cette zone, voilà, je sais à quoi maintenir. Mais il y a certaines zones, par exemple, que je n'avais jamais été parce que voilà, avec les bugs, les machins ou les trucs comme ça, c'est un peu compliqué. Et vous allez voir qu'il y aura peut-être des moments où je ferai peut-être des ellipses. Alors là, pour le moment, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de bugs ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où ça peut bugger à une... Par des moments que ça peut être chiant, quoi. Pendant un combat, pendant un truc. Surtout qu'en plus de ça, c'est pour récupérer des zones. Cette zone-là, c'est un peu comme un peu à l'Assassin's Creed. Vous combattez pour avoir la zone ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que bah là, c'est vrai que quand vous êtes en combat et puis que ça bug, et puis que vous n'avez pas fait une sauvegarde avant, bah vous l'avez dans Huc.
Le gars, il est pas milliardaire, quoi, pour rien, quoi. Pas pété de thune, coucou! Salut, je suis là! Ouf, oh, le coup d'éclair dans ta gueule! Oh, oh, oh c'est Renan! Coucou, je suis là, moi aussi, t'as vu? Ouais, 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 moi aussi, j'ai entendu. Il va nous faire peur avec sa... Voilà. Alors attendez, parce que je sais qu'il y a une maison là-haut et je voudrais bien aller voir ce qu'il y a dans la maison. Ah, mais il doit y avoir le truc de l'objectif. Alors je sais pas si je peux le récupérer pour le moment. En plus de ça, il y a des urnes. On va pouvoir vendre, on va pouvoir se faire de la thune. Attention la tête. Écarte pas les cuisses, hein, t'as pas besoin. Eh ben non. On va peut-être pas redescendre par là. Ça serait peut-être un peu dangereux. On va passer par là. Puis on va se quitter. On va se quitter là une fois sorti. Elle est où la grosse? Je sais qu'il y a une grosse. Allez, descends! Non? Je croyais qu'il y avait une grosse. Ah non, elle est là-bas la grosse. Araignée géante. Vache, elle fait mal. Et alors, tu vas crever? Oh, cette araignée de pas de côté là. Comment te faire vomir dans un petit et puis en plus de ça tu vois même pas les tournants. Ah. La couronne de sa majesté dans la papoche. Elle est où la sortie? Elle est où la sortie? Bon, on va se laisser là, je pense. On va aller jusqu'à la grande porte. Je sais pas s'il y a du monde là-bas, donc on va prendre l'épée. Et bah, je pense qu'on se retrouvera pour le live au même endroit. Pour ceux qui auront regardé
La vidéo le seront. Cette vidéo sortira un peu plus tard, normalement, qu'habituellement. Parce que voilà. Donc on va se laisser là, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine les gens, c'était Drag Survie, peace!